بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله أتيه الله أتيه الرسول والأولي الأمر منكم يوعش الله عز وجل جناب الحق notre Seigneur le Seigneur des mondes qui nous a honoré d'une telle assemblée. Louange sur Sayyidina Mohammed Abdallah Salat wa Salam, sa famille, ses honorables compagnons, radiallahu anhu arda. Qu'Allah Azzawajal nous honore de leur honneur, nous honore de leur mention, des décrits salihin tanzil rahma, la mention de leur nom fait descendre la miséricorde et les bénédictions divines. Nous vivons dans le temps où suivre la sunna est très difficile. Déjà, faut-il connaître la sunna? Car il y a une sunna qui est manifeste, qui est celle de l'action. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'action, il a fait ceci comme ça, il a agi de cette façon, il a pris cela de cette façon, où il y a une sunna qui est plus difficile, celle du comportement. Celle du comportement, elle intéresse moins les gens, parce qu'elle est plus subtile et elle est plus difficile. Suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les choses faciles et aisées, alhamdoulilah, c'est bien et méritoire. Suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les choses plus difficiles, celles qui ne sont pas aisées et qui sont contraignantes, alors là, on parle de ihsan, on parle d'un état d'excellence. Et les compagnons, Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu arda, ils étaient toujours désireux de savoir ce qu'ils faisaient, de savoir comment ils étaient, pour essayer toujours d'imiter. Et pour eux, c'est parce que c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils se donnaient la contrainte de le faire et de l'imiter. Pour nous, c'est parce que c'est la sunna qu'on dit c'est pas obligatoire, mais allez. Alors le shaitan, il joue. Il joue chez les croyants pour diminuer l'importance de la sunna.
en disant, ah, c'est pas un fard. Quand on dit sunna, habituellement, c'est la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien de le faire. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas une obligation, donc tu ne déroges pas à une règle. Donc, tu ne rentres pas dans une conséquence négative. Ce n'est pas comme un péché. Fard, ce qu'on va dire, l'obligatoire, qui sont les obligations selon les commandements d'Allah. Tout le monde est plus ou moins unanime, s'entend là-dessus, parce que là aussi, on commence à avoir beaucoup d'avis. Il y a des gens qui se pensent intelligents en disant ah, ça c'est important, ça c'est pas important, ça c'est passé date. Donc souvent, les musulmans vont mettre de l'avant la non-obligation de la sunna. Donc on fait si on peut, si on veut, si ça nous tente, si ça nous conforte. Ensuite, le shaitan, il va rentrer par une autre porte en disant ce n'est pas quelque chose d'actualité. Souvent, les musulmans vont percevoir certains aspects de la sunna comme des archaïsmes, comme des choses d'un autre âge. Ah, ils ont fait ça parce qu'ils ont vécu il y a 1500 ans, dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'Internet. On entend. Quand on parle de Tijan al-Arab, la couronne des musulmans, souvent, vous entendez les musulmans dire « Ah, mais ça, c'est parce qu'ils vivaient dans le désert. » Pourtant, pas un prophète, depuis ses Nazul Karnein, n'a marché sur terre sans turban, qu'ils aient vécu dans le désert ou dans les cités. Quand les anges sont descendus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Ils portent tous le turban. Vous n'allez pas me dire que dans les cieux, il y a le vent de sable. Mais, on va dire, ah, la même chose pour Miswak. Hein, pour le cure-dent que les musulmans utilisaient. Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si je ne pensais pas que c'était quelque chose de trop contraignant, je l'aurais rendu obligatoire. Aujourd'hui, les gens vont dire, ah, c'est un archaïsme, qui a besoin de se promener avec ça dans sa poche pour se brosser les dents? Alors qu'on a les brosses à dents ultrasoniques, à pulsation multi-soupape directionnelle. Et donc le shaitan va nous faire apparaître certains aspects de la sunna comme quelque chose qui est passé date. Surtout dans un temps où la commodité est si facile, où l'abondance est nous noie littéralement. Quand on décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon dont il touchait l'eau, la quantité d'eau qu'il touchait, aujourd'hui on se dit ah, si on ouvre le robinet pendant une année, l'eau coule, elle ne s'arrête pas. Et on n'a pas dépensé pour cela. Ça dépend où est-ce qu'on habite, on s'entend là-dessus. Mais ici, à Montréal, l'eau n'est pas payante. Alors, on se dit, mesurer sa consommation. Alors, des fois, les gens prennent des douches, ils sortent de là. Toute là, c'est pas juste la salle de bain, c'est toute la maison est devenue un sauna. Hein? Non?
Pourtant, c'est contre la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré le bienfait qu'on peut en retirer. Le bienfait entre guillemets. On s'entend que quand on reste trop longtemps sous l'eau, la majeure partie des gens vont vous dire c'est la façon de redevenir sale plus facilement. Pourquoi? Parce que les pores sont trop dilatés et vous réabsorbez les saletés beaucoup plus facilement. Et donc le shaitan va défaire les gens de cette sunna et il va défaire les gens de la sunna qui est la plus difficile. Celle du comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à être excessivement généreux. Et ce qu'il a été, il laissait tous les gens qui l'ont croisé perplexes dans sa générosité. Et Sayyida Aïcha, elle disait, il n'y a pas quelque chose qui arrivait dans la maison qui n'était pas redistribué. Imaginez. Et malgré cela, parfois, il pouvait s'écouler 2 mois sans que le feu ne cuise quelque chose. Et Allah sait si les choses arrivaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsqu'on a la fausse idée du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant quelqu'un de très pauvre. En réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on regarde la quantité de gens qu'il a soutenus, le nombre, les gens de sa famille qu'il a soutenus, les gens de sa communauté qu'il a soutenus, la quantité de ses compagnons qui mangeaient chez lui, la quantité d'étrangers qui mangeaient chez lui, la quantité de visiteurs qui rentraient chez lui, il y a peu de gens qui aurait aujourd'hui eu la capacité de porter tout cela. Et c'est lui qui porte. Malgré le fait que autant il y avait de l'abondance qui se déployait chez lui, autant sa générosité donnait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, sa générosité était telle une fois un bédouin est venu pour demander de l'argent, pour demander quelque chose. Mais il avait déjà demandé, ça ne lui avait pas suffi, alors il était revenu et il avait, pour montrer sa volonté, il avait tiré le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire « Donne-moi de ce que Allah t'a donné. » Mais il a tiré si violemment qu'on dit que le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marqué de rouge. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a éclaté de rire. Il a éclaté de rire et il l'a regardé avec tellement d'amour. Il a dit, ne t'en fais pas. Et il a demandé à ce que il puisse aller se servir et prendre à crédit au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui d'entre nous aurait réagi de cette façon, hein? Lorsque vient le mendiant ou celui qui doit nous demander, ou lorsqu'on sait que celui-là il nous appelle pour nous demander, on ne décroche pas le téléphone. Lorsque vient la personne qui doit nous demander, on change de trottoir ou on regarde de l'autre côté. Ou on se pose la question. Il a l'air un peu enivré celui-là. Si je lui donne, qu'est-ce qu'il va aller faire avec l'argent? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très simple. La yukallifu lahu nafsan illa wus'aha.
lorsque quelqu'un est venu lui demander à trois reprises et que les compagnons, radiallahu anhu arda, lui ont dit, Ya Rasulallah, il abuse, il exagère un peu, il leur a dit non. Allah ne charge pas une âme de plus qu'elle ne peut porter. Si Allah l'a envoyé, c'est que j'ai la capacité de répondre. Est-ce qu'on a fait pour nous cette sunna? Non, évidemment. Et ça, c'est la sunna de celui à qui on demande. Jamais vous avez entendu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ou est-ce que toi, tu es un croyant ou tu n'es pas croyant? Non. Venez à lui des gens de tous horizons, de toutes croyances, parmi eux des shaitans cachés, parmi eux des munafiqoun, des hypocrites, parmi eux toutes sortes de gens malveillants. Et on dit qu'il n'a jamais refusé à quelqu'un qui lui a demandé, et c'était sa tradition. Et plus que ça, on disait, comme a dit ce compagnon, allez voir ce messager, croyez en lui et suivez-le, car il donne avec la générosité de celui qui ne craint pas la pauvreté. On n'avait jamais vu ça, surtout chez les Arabes de ce temps, dont la grandeur était exprimé à travers les histoires et la poésie, il a laissé tout le monde perplexe par son caractère. Alors, la sunna est un lien avec le messager d'Allah qui est excessivement fort, qui est excessivement puissant, qui nous rapproche avec une telle profondeur d'âme avec lui. C'est pour ça qu'il a rappelé aux gens, quand il va venir le temps qui va être difficile, où la corruption sera généralisée, alors ceux qui seront vraiment proches de moi sont ceux qui vont garder vivant ma sunna. Ceux qui vont raviver ma sunna, ceux qui vont s'y attacher. Dans quel temps? Dans un temps où tenir une sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il exprime notre temps, tenir une sunna, donc une des habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera comme tenir dans sa main une braise ardente. Par contre, quand il s'agit de suivre la tradition des autres, comment c'est facile? Pourquoi? Parce que c'est tendance, hein? Ça nous met au même diapason que ce qui se passe autour de nous. C'est glamour, hein? C'est un peu in. Il y a beaucoup de bling bling dedans. C'est très illusoire. Alors, ô combien difficile de s'arnacher à ce trésor évident, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette sunna n'est autre que le protocole d'accomplissement des grands seigneurs de la création. Allah azza wa jal, il a enseigné à son prophète la perfection caractérielle. Il était la noblesse absolue. Et c'est pour ça qu'il l'a dit à Adabani Rabbi. C'est mon Seigneur qui m'a enseigné Adab, la bienséance, la perfection du caractère, du comportement, de l'éthique. Et Allah Azza wa Jal a honoré
Bani Adam, et il a choisi pour Bani Adam de porter la couronne de la création. C'est ça la fonction que c'est Na'adam alayhi salam, lorsqu'il a été créé, il est venu pour couronner la création. Mais sa descendance, nous, en l'occurrence, sommes des princes héritiers en l'attente du couronnement. Et Maulana Al-Sheikh, il disait toujours, pour passer du prince héritier au couronnement, il faut accomplir alors notre chevalerie et la chevalerie, le futuwat en islam, ce n'est pas la chevalerie de celui qui est fort, de celui qui combat, de celui qui est puissant physiquement. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la puissance, de la force de l'homme, il disait, l'homme fort n'est pas celui qui peut déployer sa force physique et terrasser tant d'ennemis. L'homme fort est celui qui est capable de se tenir alors que la colère gronde en lui. C'est ça la force véritable. Et donc la force qui est demandée, pour la chevalerie qui est demandée en islam, c'est une chevalerie caractérielle. C'est la chevalerie de celui qui a le caractère droit, de celui qui a le caractère noble et vertueux, de celui qui défendra la vérité, de celui qui fera le sacrifice de son être pour l'autre, de celui qui s'habillera de patience, qui s'habillera de compassion, qui s'habillera d'attention, de générosité et d'amour envers l'autre. La noblesse de caractère est celui qui se refusera la colère, qui se refusera l'envie, qui se refusera l'avarice, qui se refusera la paresse, qui se refusera les passions douteuses, qui se refusera toute chose qui semble si facile, mais dont la conséquence est dommageable. Est dommageable pour l'individu, ou est dommageable pour les autres, ou est dommageable pour la société. Alors, ô croyants, croyantes, faut-il que nous puissions refaire fortement ce lien qui nous unit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nous enquérir de sa sunna, de nous questionner quelle a été sa sunna, quel a été son mode de vie, quelle a été son action et son comportement. Mais faut-il également pouvoir nous imprégner de la partie de la sunna qui est le plus difficile, celle qui est comportementale? Et celle qui est comportementale, alors elle a besoin d'être infusée à l'intérieur de nous. Elle ne s'apprend pas sur les bancs, elle ne s'apprend pas par la perspicacité de l'intellect, elle ne s'apprend pas simplement par la lecture, elle s'apprend par une osmose des cœurs, par un compagnonnage des cœurs qui sont imprégnés de cette réalité. Les nobles, les véridiques, car cette dimension de l'être, la dimension de l'ihsan, la dimension de l'excellence, c'est une dimension qui habille le cœur. Et le cœur, pour qu'il soit habillé de cela, nécessairement, il faut qu'il accompagne
des cœurs comme cela. Comme les prophètes ont été habillés de cela par leur Seigneur à travers tant de préparation et par la suite de leur réalité, ils ont été capables d'élever la réalité de leurs compagnons, de leurs apôtres. Et cela a été le cas pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et c'est ainsi que c'est important de garder la compagnie des gens qui ont cette réalité de cœur, de la chercher, de chercher les gens proches d'Allah, les amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens dont l'accomplissement est évident. Les croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, leur signe, lorsque vous les voyez, ils vous rappellent à propos d'Allah. Et lorsqu'ils vous adressent, ils ajoutent à votre connaissance. Voilà la connaissance de ces choses-là, mais la connaissance véritable, celle qui élève l'âme, celle qui est imprégnée de sagesse et celle qui est liée à un flux céleste et non pas à la production des cogitations humaines. Qu'Allah Azza wa Jal nous honore de cette sunna, nous habille de cette sunna par l'honneur de la couronne des croyants et la hadratita bil Fatiha.